Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette émission. Je suis le pasteur Madi Konki de l'église Centre Chrétien de Mantes-la-Jolie et c'est une joie pour moi de partager avec vous ce message et cette émission. Je voulais juste lire un texte avant d'aller plus loin dans Marc chapitre 11 versets 12 et 13 qui nous dit ceci. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Puis, au verset 20 de ce même chapitre, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Je voulais saisir de cette occasion pour vous parler tout simplement de la puissance de nos paroles. Nous avons dans ce verset que je viens de lire, au tout début, il est dit que Jésus avait faim. Il s'approcha d'un figuier pour voir s'il y avait quelques figues. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait que des feuilles. Et alors, il dit juste une seule parole, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et puis, plus loin au verset 20 de ce même chapitre, les disciples se rendirent compte d'une chose, que le figuier avait séché suite à la parole de Jésus. Alors, on va voir la puissance de nos paroles aujourd'hui. Jésus était un homme comme vous et moi. Il était un homme comme vous et moi dans ce sens qu'il avait aussi faim, comme nous. Il était aussi fatigué, avait besoin de repos. Bien entendu, on dit souvent qu'il est fils de Dieu, oui, mais il était homme, comme nous. Il s'est identifié à nous, en toutes choses. Alors, la leçon qu'il veut nous apprendre ici est qu'il y a la puissance dans les paroles qui sortent de notre bouche. Il y a un proverbe qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et ici, tout simplement, alors, il a parlé au figuier, et le figuier était sec. S'il avait béni ce figuier serait béni. La leçon qu'il veut nous apprendre ici, c'est que les paroles qui sortent de notre bouche ne sont pas neutres. Les paroles qui sortent de notre bouche véhiculent soit la bénédiction, soit la malédiction. Si nous sortons des choses négatives, nous allons créer un environnement négatif. Si nous sortons des choses positives, nous allons créer un environnement qui est positif. C'est pourquoi ce passage qui est mis là est une leçon que Dieu nous donne à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu et il est dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et souffla en lui un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. N'oublions pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu.
Et si l'homme a été créé à l'image des dieux, c'est qu'il a aussi le pouvoir créateur en lui. Nous pouvons créer des événements avec notre bouche, notre langue, et nous pouvons aussi créer des circonstances avec notre bouche, avec notre langue. C'est ce que nous voyons dans ce passage, et c'est ce que nous allons voir aussi ensemble, que nous pouvons aussi déterminer notre environnement par ce que nous disons de nos paroles et de ce qui vient de notre bouche. Alors, je continuerai en disant ceci. Quand je parle, est-ce que je crée les choses positives ou je crée les choses négatives? Nous pouvons voir à travers les évangiles que Jésus dit « Il sera fait selon ta foi » ou des fois c'est « Il sera fait selon ta parole ». Parfois nous avons des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons et nous avons souvent tendance à dire que oui, c'est parce que le diable si, mais bien souvent nous nous sommes liés par les paroles qui sont sortis de notre bouche. Alors, il est important ici de comprendre une chose. Jésus était humain. Nous avons le même esprit qui était en Jésus, la même foi qui était en Jésus, la même autorité qui nous a léguée, et notre langue véhicule ou la vie ou la mort. Et nous devons choisir de véhiculer la vie, et nous devons choisir de véhiculer la bénédiction. Alors, je peux vous donner un exemple très simple. C'est de ce jeune homme qui a grandi dans une famille et qui entendait tout le temps ses parents lui dire « Tu ne vaux rien, tu ne réussiras jamais, tu nous apportes toujours des problèmes, nous ne savons pas quoi faire avec toi ». Nous regrettons même de t'avoir eu comme enfant. Et toutes ces paroles forgeaient cet enfant à tel point que quand il a grandi, il disait de lui-même qu'il ne valait rien, qu'il ne réussira jamais, donc qu'il ne sait même pas pourquoi il vit, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que il a été éduqué, il a grandi dans un environnement où il n'entendait que des paroles qui sont des paroles négatives. Alors, c'est pourquoi je vous demande de considérer bien attentivement chaque parole qui sort de notre bouche. Est-ce qu'elle apporte la vie ou est-ce qu'elle apporte la mort? Est-ce qu'elle apporte, la bénédiction ou est-ce qu'elle apporte la malédiction? Bien souvent, lorsqu'on parle de ces mots « malédiction », les gens ont tendance à prendre du recul. Mais c'est une réalité. Donc, c'est une réalité que bien de gens, ou que peut-être vous-même vous vivez, ou vous-même vous vous trouvez lié, vous-même vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez pas vous épanouir. Pourquoi? Tout simplement, toutes les paroles qui ont été autour, que tu as entendues, n'étaient que des paroles négative. Mais aujourd'hui, si je vous parle de cela, mais c'est pour vous dire une chose. Jésus est capable de vous libérer de ces paroles négatives. Pourquoi Jésus avait-il maudit ce figuier? Était-il en colère? N'était-il pas content? Mais non, tout simplement parce qu'il veut enseigner aux disciples et nous enseigner aussi à nous l'impact de nos paroles qui sortent de notre bouche. Chaque parole qui sort de notre bouche a un impact. Chaque parole qui sort de notre bouche a un effet. Chaque parole qui sort de notre bouche crée quelque chose. Même si on ne le voit pas physiquement, mais d'une manière invisible, il y a des liens, il y a des choses
qui sont créées par notre parole. Alors, jusqu'à présent, peut-être vous vous plaignez de votre circonstance ou vous plaignez de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais c'est peut-être tout simplement parce que vous avez confessé des paroles qui sont des paroles négatives, ou alors vous avez sorti de votre bouche des paroles qui ne sont pas constructives, mais qui sont destructives, donc qui véhiculent la stérilité, la sécheresse, la mort. Pourquoi ? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. C'est ce que Jésus veut montrer ici en maudissant ce figuier. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, revenant sur le même lieu, le figuier était complètement sec. Nous aussi, les paroles que nous prononçons aujourd'hui affectent notre avenir. C'est pourquoi je vous exhorte, je vous encourage, parce que ce pouvoir que vous avez, que nous avons en tant qu'êtres humains, nous pouvons aussi l'utiliser dans le bon sens, c'est-à-dire rectifier, donc changer notre langage, changer notre façon de parler, changer notre façon de parler même des autres, parce que nous pouvons aussi lier et emprisonner les autres par les paroles qui sortent de notre bouche. Je vais vous donner un exemple simple, alors qui me concerne moi personnellement. Lorsque j'étais encore étudiant, ou même pas étudiant, j'étais encore au lycée, alors bien souvent mon père, quand il me parlait, me disait: oui, vous allez voir, à la fin de l'année, vous allez encore échouer, vous n'allez pas réussir. Et ce sont des paroles, c'était des paroles que j'entendais bien souvent. Et malheureusement, à la fin de l'année, on ne réussissait pas. Et quand on ne réussissait pas, il a rajouté: je savais, je vous l'avais dit, etc., etc. Et l'année suivante, c'était encore un échec. Pourquoi ? Mais parce que, tout simplement, les paroles qui étaient prononcées étaient des paroles, pas de bénédiction, mais de malédiction. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et le figuier était séché. Une deuxième leçon que Jésus veut nous apprendre ici, c'est que si nous utilisons bien notre langue, avec l'autorité qu'il nous a donnée, et nous le voyons utiliser cette autorité vis-à-vis du figuier, ce qu'il y est sorti de sa bouche s'est accompli. Ce qu'il a dit au figuier s'est accompli. Et si nous utilisons bien notre langue, avec l'autorité de Dieu, nous n'aurons même pas pour certaines situations à prier ni à intercéder, nous n'aurons même pas à avoir des veillées de prière, mais nous aurons juste l'autorité de commander et de voir les choses se faire. C'est pourquoi, mes amis, vous qui écoutez cette émission, je vous encourage. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. C'est l'exemple que Jésus nous donne ici. Nous ne pouvons trouver un seul exemple où Jésus a parlé et que la chose ne s'est pas faite. Nous ne pouvons pas trouver un seul moment où Jésus a parlé et rien ne s'est fait. Nous ne pouvons pas trouver un seul moment. C'est pour cela qu'on voit qu'il a juste parlé à la mer. Et la mer s'était calmée. Il a parlé à Lazare qu'une seule fois, qui était mort. Et Lazare est revenu à la vie. Il est parlé aux démons, il disait juste une parole, et les démons sortaient et s'en allaient. Pourquoi ? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Alors, c'est pourquoi je vous encourage et je vous exhorte par ce message que vous écoutez. Et je vous exhorte, jusqu'à présent, comment avez-vous utilisé cet instrument que Dieu nous a donné ? La Bible nous dit que la langue est un petit membre. Elle est comme un gouvernail d'un bateau, d'un navire. Alors, imaginez la taille ou la capacité d'un navire dirigé et gouverné par un petit instrument qu'on appelle gouvernail.
Il en est de même pour notre langue. Et notre langue a le pouvoir de diriger notre corps. Il a le pouvoir d'affecter notre corps. Il a le pouvoir, bien souvent, nous sommes malades, pas parce qu'on nous a jeté des sorts, pas parce que ceci, mais tout simplement parce que nous avons confessé des choses négatives. Je veux relire encore ce texte de Marc, chapitre 11, versets 22 à 24, qui nous dit « Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Alors, je vais reprendre ce verset parce qu'il est très important en ceci. Si vous dites à cette montagne. Alors, moi, je fais quand même une distinction entre prier et dire. Dire, c'est parler. Il est dit, si vous parlez à cette montagne et vous le dites de se jeter dans la mer, si vous ne doutez point votre cœur, mais vous croyez que cela arrive, vous le verrez s'accomplir. Alors, je vais attirer votre attention sur une chose. Ce que vous dites, les paroles qui sortent de votre bouche, créent quelque chose. Les paroles qui sortent sur votre bouche ne sont pas vides, ne sont pas neutres. Elles véhiculent quelque chose. En gros, on peut dire qu'elles véhiculent la bénédiction, elles véhiculent la malédiction, ou encore elle véhicule la vie, ou encore elle véhicule la mort. Ce n'est pas forcément une mort physique. Ça peut être tout simplement que ces paroles vont apporter une stérilité, une sécheresse, dans certains domaines de notre vie, dans certaines situations où les choses devaient se faire normalement, mais les choses ne se font pas. Pourquoi ? Parce que nous avons confesser des choses négatives. Nous avons dit des choses négatives. C'est pour ça d'ailleurs, il y a un passage qui nous dit qu'il ne sorte de votre bouche, dans l'Épître aux Éphésiens, aucune parole mauvaise. Mais c'est toutefois des paroles qui édifient, qui encouragent, qui construisent, qui donnent de l'harmonie, qui communiquent la joie, qui communiquent le bien-être. Édifier veut dire construire, qui bâtisse. Donc, nous pouvons construire les autres par nos paroles, ou alors nous pouvons aussi les détruire par nos paroles. Nous pouvons les encourager par nos paroles, tout comme nous pouvons les décourager par nos paroles. Alors, bien souvent, nous ne voyons pas Dieu agir, tout simplement. Pourquoi ? Parce que nous utilisons notre langue pour le mal, et en même temps nous l'utilisons pour le bien. Pas une seule fois, on a vu Jésus sortir des paroles négatives. Alors, je vais prendre cet exemple où Jésus était en compagnie de ses disciples. En visitant donc la Samarie, et voyez que les Samaritains n'acceptaient pas l'évangile, et un des disciples dit à Jésus, « Veux-tu que l'on commande au feu de descendre du ciel pour les consumer ?» Cela semble être une question, je dirais même banale. Jésus aurait pu répondre « Oui », mais il leur a répondu, « Vous ne savez par quel esprit vous dites cela. » Et je pense que si Jésus avait dit oui et que ces hommes avaient commandé le feu serait descendu du ciel. Alors c'est pourquoi, mes amis, je vous exhorte, là où vous êtes, de considérer votre langue,
les paroles qui sortent de notre bouche. C'est Jacques qui nous dit, de la même bouche ou encore de la même source, il ne peut sortir l'eau douce et l'eau amère. Et s'il sort de notre bouche des paroles positives et des paroles négatives, si on prend la logique simple, mathématique, plus et moins, c'est zéro. Donc ça s'annule. Alors je vous exhorte, je vous encourage à consacrer notre langue pour bénir. C'est pour ça que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous a dit « Bénissez, ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Surmontez le mal par le bien. » Et c'est pour cela même, lui-même, Jésus, sur la croix, au dernier moment, alors que les gens étaient là, qui se moquaient de lui, il a dû dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Cette parole qui est sortie de sa bouche a préservé les hommes. C'est comme Étienne aussi, qui a dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Puisse notre langue être un instrument que Dieu utilise pour construire, pour bâtir, pour restaurer, pour créer, hein, pour encourager, pour exhorter, pour faire du bien, pour communiquer la joie, pour communiquer la paix. Nous pouvons voir que toute chose que Dieu a créé par la parole. Dieu ne crée jamais rien sans l'avoir dit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dieu n'est pas là pour te condamner, mais il est là tout simplement pour t'aider. Il voit les circonstances dans lequel vous vous êtes, vous vous trouvez, vous vous êtes lié vous-même par vos paroles. Croyez-moi, bien souvent nous sommes liés par nos paroles. Nous sommes liés par ce qui est sorti de notre bouche. On dit que c'est le diable, parfois on dit que c'est le voisin de ceci, mais non, c'est tout simplement ce qui est sorti de notre bouche. Alors, comme vient dit ce passage, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, alors, je pense que vous pouvez prendre une décision là où vous êtes. C'est de consacrer votre langue à être un instrument de bénédiction. C'est de consacrer votre langue à être un instrument de grâce. C'est de consacrer votre langue à être un instrument qui construit, qui édifie, qui donne la paix, qui communique la joie, qui communique la vie. J'insiste encore, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. C'est à nous de choisir, soit de communiquer la vie, soit de communiquer la mort. C'est à nous de choisir, soit aussi de tenir notre corps en bonne santé, parce que la santé de notre corps, bien souvent, dépend aussi de notre langue et de ce qui sort de notre bouche. Bien des fois, nous sommes dans l'angoisse parce que bien des paroles que nous avons sorties dans notre bouche étaient des paroles négatives qui ont affecté non seulement notre corps, mais qui ont aussi affecté notre âme. Mais Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si vous demandez pardon là où vous êtes, si vous l'invitez dans ces domaines-là, si nous confessons nos péchés, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, vous pouvez vous approcher de lui avec assurance. Vous pouvez venir à ce que nous appelons le trône de la grâce et demander pardon pour toute parole négative qui sont sorties de notre bouche. Et demander pardon pour toute parole morte qui sont sorties de notre bouche. Alors je vous exhorte, alors je vous encourage, voici l'occasion que Dieu vous donne pour
revenir consacrer votre langue à lui.